Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, c'est parti, vas-y V2, balance l'intro. Mais de côté la déprime, ici que de la bonne humeur. T'es le bienvenu chez Cash Made In, des lives à n'importe quelle heure. Abonne-toi sur le timing, tuto vlog, à la page, divers c'est le côté gaming, l'été le côté jardinage, V2 Srime. Bon, alors t'es prêt, c'est parti, on y va. Bon alors là ici c'est un futur projet que madame elle a commencé à réaliser. Ce sera pour une prochaine vidéo bien sûr. C'est pour les tortues de Floride. Donc voilà, allez, on va avancer jusqu'au jardin. Kenza, elle dort. Elle fait pas sa star aujourd'hui. Allez. Bon alors tout d'abord déjà je tiens à remercier ma femme. Je veux un maximum de GG les copains pour ce que madame elle a réalisé, regardez. Elle m'a fait une petite arche pour que je puisse faire prolonger mon petit pied de passiflore là qui est là qui commence à pousser. Donc merci à elle, un maximum de GG les copains. Et puis elle m'a fait aussi une petite maison pour les oiseaux. Voilà. Allez. C'est nickel, c'est parfait, elle a bien travaillé. Alors ensuite le jardin, ben, j'ai envie de te dire que le jardin ça pousse bien hein. Bon là ici il y a la menthe comme d'hab d'ailleurs, petit bigote à toi brut brut, ta menthe elle est là hein. Je l'ai repiqué parce que j'avais pas le choix, elle faisait des racines, elle se sentait pas bien. Voilà, donc là il y a encore pas mal de salades, il y a encore pas mal de salades ici. Oh là là, ici c'est le petit coin pour les fraises. Je pense qu'il va y avoir des belles petites fraises cette année. Ça commence à bien pousser là. Ça y est, ça a bien pris forme. Il y a des fleurs. Donc celle-là, elle commence déjà à se défleurir. Donc, future fraise. Hein. Voilà, il y a celui-là, là, le nouveau que j'ai implanté. C'est un pied de Charlotte. On verra ce que ça donne. On va essayer d'y faire des petits enfants hein, celle-là hein. On va essayer de la dédoubler hein. Ça serait bien des futurs pieds de fraise. Voilà, là bon là ici nous avons les salades, là il y a les radis que madame a semé, elle a mis des radis en pleine terre. Bon vous savez il y a des radis là bas hein, que je vous ai déjà présenté. Ça c'est la petite ligne de radis de madame. Voilà. Là c'est les carottes, bon il y a quelques trous, hein. Il y a quelques trous cette année. Hein. Les graines elles ont pas... Elles sont bizarres. Je pense que je vais en faire moi-même cette année en fait. Je pense que je vais faire mes propres graines de carottes, je pense. Il y a moyen de faire ça. De toute façon j'en ai encore dans la serre, d'ailleurs on va aller faire un petit tour aussi dans la serre. Là c'est les haricots verts, ça stagne un peu je trouve. Mais bon. Ça va, ça avance bien mais ça stagne à certains endroits. Donc on verra bien, on verra ça. Voilà, là c'est les oignons. Voilà, c'est le petit coin pour les abeilles. Et là on a mis les pieds de tomates, ça y est. On va commencer à mettre tous les pieds de tomates. Donc, à voir comment ça va évoluer cette année. Là ici je vais en remettre deux ici là, deux nouveaux ce soir là. Voilà. Là ici bah on a forcément bah, comme je vous avais expliqué, les pieds de courgette. Et la voiture qui passe au calme. Voilà, ils vont filer tout le long. Et ceux qui sont là-bas, ils vont venir comme ça. Là, ici, il y a la menthe là-bas. Voilà. Allez, du coup, on va aller dans la serre. Parce que c'est un peu bruyant, mon goût, là. Désolé, hein, les copains, hein, mais ça, les voitures, on peut pas éviter. Hein. Alors, voilà, la serre. Donc, il y a des futures salades que j'ai ressemé encore une fois à la volée tranquille. Et puis bien il y a tout ça, les pieds de tomates, là il y a celui-là, il commence à bien avancer. Là-bas il y a de la poirette, future poirette pour cette année, faire du poireau. Les piments, ben, les piments c'est pas mal parce qu'il a commencé à se former des fleurs. Je vous en ai parlé aussi la dernière fois, il commence à être beau. C'est bien, ça avance bien.
Ensuite, ben, il y a les carottes aussi que je vous ai dit qu'il y avait, que j'ai mis dans la serre. Ça, je pense que ça va être des futures graines. Je pense que je vais en laisser quelques-unes pour faire des graines. Ici, au moins, ce sera protégé. Là, ben, vous avez les avocats d'Amérique. Commence à être super celui-là. Je ne sais pas s'il fera des fleurs cette année. Sinon, ben, on verra l'année prochaine, hein, j'ai envie de te dire. Je suis pas pressé, moi. Hein. Je suis pas pressé. Mais bon, on m'avait certifié que ces deux pieds d'avocat-là, ils n'auraient pas poussé. On m'avait certifié qu'ils pousseraient pas. Eh bien, regarde, tu vois. Voilà, hein. Faut laisser faire la nature, c'est tout. Hein. Bon, petite tactique, par contre, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a, comme qui dirait, par terre, sur la terre, il y a un peu de bouffe. Hein. Il y a des pelures de pommes, il y a des petits restes de poivrons, tout ça. Alors ça, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, parce que j'ai remarqué que j'avais pas mal de limaces ici. Et puis, ben, elles ont faim, quoi, tu vois. Le moindre truc qu'elles vont pécho, ça va être tes jeunes pousses. Donc, vu qu'il n'y a rien d'autre, elles vont becqueter tes trucs, quoi. Et puis, ben, je me suis dit, tiens, je vais leur donner à bouffer. Voilà, tant qu'à faire. S'ils ont faim, on leur donne à bouffer. Et depuis le temps que j'ai fait ça, depuis le temps que, ben, c'est, en gros, je les nourris, quoi. Et ben, depuis le temps que j'ai fait ça, eh ben, elles attaquent plus rien. Elles vont sur la bouffe, tu vois. La nuit, elles vont sur la bouffe. Comme ça, moi, elles ne bouffent pas mes pieds de quoi que ce soit, hein, des jeunes pousses. Voilà, elles vont pas dessus. Tu me diras, il y en a certains qui me diront, ouais, tu vas acheter du culimace et puis c'est réglé. Bah non, non, moi je fais pas ça. Moi, je... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, on dirait. Je dis, mais voilà. Bon, ça, c'est le bac à boulot. Alors là-dedans, je vais en récupérer 3 pieds. Je vais sélectionner 3 pieds pour mettre là où je vous ai dit là que j'allais mettre les 2 ou 3 pieds de tomates qui restent. Je vais en sélectionner. Et puis le reste, ça va rester là-dedans. Ça va monter, ça va monter. Et puis ben, on s'en servira pour faire la bolognaise. Ce sera que pour la boulot ici. Ce bac-là, spécial boulot. Voilà, après, bon, il y a encore des salades qui vont aller dans le jardin. Hein. Il y en a déjà qui ont bien levé aussi. Ça va aller dans le jardin, tranquille. Il y en a déjà là aussi. Là, tu peux le voir. Donc voilà, les copains, cette vidéo, ben, elle s'achève. Hein. J'espère que le petit tour du jardin, le petit tour du proprio vous aura plu. Voilà. Bon, ben voilà, les copains, maintenant, ben, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis, ben, si t'es pas abonné, si c'est pas déjà fait, ben, tu cliques sur l'abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir à tout le monde, c'est du partage. Et puis comme ça, ben, si tu y penses, t'actives la cloche aussi, comme ça, tu auras les notifications. Hein, comme ça, quand je fais une vidéo, ben, tu auras la notif. Ou alors, quand je joue aussi, bah, tu auras aussi la notif. Puis pourquoi pas, on peut jouer ensemble aussi. Ça peut se faire. Vu que je fais du multigaming, donc aussi, bah, on peut se rencontrer là sur quelques plateformes. Il y a moyen. Il y a moyen. Ça, c'est fort possible. Sur ce, moi je te dis ciao ciao. À bientôt. Pense au like. Maximum de GG pour madame qui a fait du beau travail. Et sur ce, ciao bye bye.